Audrey Tautou, je n'ai pas l'impression d'être une valeur ajoutée. Les violences policières, la pauvreté, l'urgence climatique, hashtag MeToo. Les sujets, brûlants, d'actualité ne manquent pas. Et si de nombreuses stars prennent la parole pour donner leur avis, il ne faut pas compter sur Audrey Tautou pour mettre son grain de sel. Interrogée par Nice ce matin alors qu'elle remontait sur scène avec la pièce La vie de Charlotte Salomon. Audrey Tautou a été questionnée sur sa grande discrétion médiatique et le fait qu'elle ne prend pas position dans les médias sur les sujets d'actu. C'est tout l'inverse d'un Omar Sy ou d'une Judith Godrèche. Le fait-elle via ses choix artistiques? Pas vraiment, je choisis des projets de manière égoïste. Jai fait des choix instinctifs. Et c'est vrai que je m'exprime dans les médias quand je présente un projet, je n'utilise pas ma notoriété. Pour débattre sur des sujets pour lesquels je n'ai pas l'impression d'être une valeur ajoutée. Il y a sûrement des artistes dont le concours a apporté des choses, moi ce n'est pas un rôle qui me correspond. J'ai toujours été très discrète, ça n'a jamais été une stratégie, c'est ma nature. Et je ne suis pas certaine qu'à mon âge je saurais en changer, a répondu la star des Amélie Poulain. La comédienne aujourd'hui âgée de 48 ans, qui a trouvé refuge au Cap Ferret, a fait une grande pause dans son métier, son dernier film. The Jesus Rolls, remonte à 2019. Mettre ma carrière d'actrice entre parenthèses. C'était une façon de me donner du temps pour m'y consacrer davantage. A-t-elle expliqué au quotidien pour évoquer ses nouvelles activités, la photo et l'écriture? Audrey Tautou, qui a gagné une notoriété mondiale en tournant avec Tom Hanks dans Da Vinci Code, développe actuellement un scénario basé initialement sur un projet de livre pour enfants. Je travaille dessus. Je suis aussi en cours de fabrication d'un livre de photos, notamment celle que j'avais exposée aux rencontres d'Arlille. Il y a quelques années, qui devrait voir le jour en novembre, a-t-elle ajouté.